spots, Beuvelat Vaumoise. Dans l'Oise, hein, derrière Crépy en Valois. Et je suis parti pour une randonnée de 6h55. Donc je vais faire un grand tour dans la forêt de Tillet, tout ça là. Donc aux alentours de Vaumoise en fait. Alors, bah c'est une rando que je connais pas. Hein. On va bien voir, on aura peut-être des belles surprises, peut-être pas. Donc voilà, bon pour l'instant je suis pas génialement installé. Comme vous voyez, il y a de la route. Hein. Donc je sais que dans un moment il y a 2-3 endroits où il va y avoir un peu de route, un peu casse-couille. Un peu chiante, pardon. Un peu embêtant, tout ça. Il fait une chaleur, bah à crever déjà. Ils annoncent du 34 dans l'après-midi, bon on verra. J'ai reçu des réflexions, même mon nom c'était bien raisonnable. Non, c'est pas raisonnable. Mais j'en ai marre d'être raisonnable. Donc voilà. J'ai fait et on verra. Bon, j'ai trouvé deux routes quand même au cas où. Aujourd'hui ils annoncent de l'orage cet après-midi, ce soir. Donc j'ai quand même pris deux routes de traverse au cas où. Pour pouvoir revenir à la voiture plus rapidement. On verra comment ça se passe. On verra bien. Donc, bah, comme d'habitude, hein, je vais vous filmer ma petite rando, un petit commentaire, comment passer les meilleurs. Et bah, j'espère qu'elle vous plaira, je peux pas vous dire, on sait rien. Et puis voilà. Bon, bah, je vous dis à tout à l'heure. Les copains et les copines. Et j'espère que je vais pas trop en chier. Normalement c'est une randonnée assez plate. Mais il fait chaud. D'ailleurs, un problème c'est quand on passe ça, il vaut mieux faire attention aux voitures. Parce que là, il n'y a pas de passage piéton. C'est dangereux. Faut pas se faire écraser les orteils. Bon bah je vous dis tout à l'heure. Je sors du pont parce que ça résonne. Donc je vous dis à tout à l'heure et puis je vais vous filmer des beaux petits coins si on a des beaux trucs. J'ai pris mon appareil photo, tout. Enfin voilà, comme d'hab quoi. Bon, salut. Bon, salut les copains et les copines. Me voilà dans la forêt. Belle petite forêt pour un son sympathique. Plein d'endroits pour mettre mon hamac. Et même un petit coin de bivouac là apparemment, puisqu'ils ont foutu les poubelles. Donc je pense qu'ils ont dû prévoir ce petit coin pour pouvoir se mettre en toile de tente, tout ça. Parce que c'est quand même rare de voir ce genre d'aménagement au bord d'une gère. Alors pour ceux qui aiment le vélo, comme vous voyez, il y a des chemins très bosselés, hein, des belles descentes. Bon, malheureusement, comme vous voyez, il y a aussi des traces de moto. Donc les week-ends doivent être un peu relous ici. Voilà, un petit aménagement pour pique-niquer, peut-être bivouaquer, je ne sais pas. Mais je vous dis, il y a une petite poubelle, on n'est pas très loin hein, de la ville, on est à quoi, un petit quart d'heure. Voilà, donc pour l'instant ça promet bien, hein, belle petite forêt, sympatoche. Bien, bien éclairci, bien clairsemé. Donc si ça reste comme ça tout du long, bah à midi, moi je vais bien. Ma petite forêt avec mon hamac tranquille. Et là je pense que dans 45 minutes, je vais faire ma postée avec ma nouvelle thermos. Donc voilà, là je suis bien les gars. Bon, je m'approche de la N2, donc forcément on commence à l'entendre. Mais en règle générale, il n'y a pas trop de bruit. Bon, il fait très lourd. Hein. J'avoue que les boîtes à l'ombre, ça fait une chaleur lourdingue un peu. Bon, ils annoncent de l'orage dans la soirée. Je sais pas vraiment avec l'extérieur. J'espère que je vais pas arriver à la voiture trop tard. Sinon, je vais me prendre une flotte. Bah tant pis, hein, c'est aussi ça l'aventure. Là je pars quand même pour 7 heures, c'est quand même pas une petite rando. Donc 7 heures faut en compter 9 en totalité. Avec mes postés, mes pauses repas. Enfin ma pause repas. Voilà. Mais bon, ça va être sympa.
Puis comme c'est la dernière journée de beau temps, après la semaine va être un peu arrosé, j'en profite parce qu'après je vais bloquer un peu chez moi. Donc. Et bon, chez moi j'ai passé beaucoup de temps ces dernières années. Il faudrait bien maintenant prendre un peu l'air. Ça fait du bien. Ça a changé d'idée. Voilà, voilà. Donc j'ai déjà une amie qui est venue avec moi, qui veut revenir d'ailleurs. Ce qui est très bien, je pensais qu'elle aurait pu. Mais bon, c'est cool, elle veut. Et j'ai un autre pote aussi qui veut changer d'air. Donc vous voyez, il y en a qui veulent changer d'air un peu. Profiter un peu de cette nature, de ce calme, de cette tranquillité. Hein. Bon, après évidemment, je vais pas emmener des gros groupes parce que moi aussi j'aime la tranquillité, donc plus on est nombreux, plus c'est bruyant. Donc, si vous voulez venir, je vous emmènerai un parrain, qu'on soit un peu calme, un peu tranquille. Et après, si on est nombreux, forcément, ça papote, et puis c'est le bordel quoi. Donc voilà. Donc là, je suis à Vaumoise, dans la forêt de Vaumoise, derrière Crépy-en-Valois. C'est pas très loin en voiture, hein. Ça va vite, c'est la N2, c'est... Enfin, je parle ça va vite en partant de chez moi, évidemment. C'est la N2, ça roule bien, c'est 110 ou du long, quasiment. En 40 minutes, on y est. Bon, je suis parti un peu tard ce matin, parce que j'ai très mal dormi cette nuit, dû à la chaleur, et puis j'ai eu un petit souci gastrique. Qu'il a failli me faire annuler la randonnée. Mais bon, ça s'est calmé, on verra bien. J'ai quand même pris mes précautions au cas où. Mais bon, ça a l'air d'être calmé. Mais bon, c'est vrai que partir en randonnée pour 7 heures avec un mal de bide, c'est pas génial. Mais bon, le mal de bide est passé, on verra. Si j'y reviens, bah, on fera ce qu'il y a à faire. Bon, bah sur ce, les petits lapins, je vais vous laisser parce que j'arrive à un point de repère normalement. Faut que je regarde où c'est que je m'en vais. Puis bon, parler c'est bien, mais je préfère écouter les petits oiseaux. Surtout que j'ai plus trop grand chose à vous dire en fait. Donc voilà, hein, une belle forêt encore. Donc ouais, je vais pas tarder à investir dans une caméra. Mieux que celle-ci. Bon, avant, il faut d'abord qu'investir dans un canapé, et puis... pour chez moi, ah... encore un dépôt de merde. Oh, c'est chiant, ça. Pourquoi ils font ça, bordel de merde? Mais pourquoi au plein milieu de la forêt, quoi? Merde, balancez vos merdes au bord de la route, qu'on puisse les ramasser, putain. Ah, c'est relou, hein. Les mecs, ils viennent caler ça là, mais personne vient ramasser, après. Vraiment, les gens sont dégueulasses, hein. Ah, ça m'énerve. Bon, bref. Allons-nous-en. Je suis fâché. Donc voilà. Il y a un beau pain qui est fatigué, là. Pas si vous voulez bécho, mais je crois qu'il commence à pas être bien, celui-là. Pas trop traîner à côté. Donc quand vous vous promenez en forêt, restez quand même assez attentif aux alentours. Des fois, vous avez des belles surprises. Quand vous êtes au bord d'un cours d'eau, il peut y avoir des cygnes, des canards, des animaux, des hérons, des trucs comme ça. Dans les bois, vous pouvez tomber sur une biche. Qui n'a pas l'habitude de voir du monde. Voilà, évidemment, moi je parle à la caméra, donc s'il y a des biches dans le coin, c'est fini, il n'y en a plus. Avant mon temps de parler, hein, hop, on fout le camp. Bon, sur ce, les petits ou, je vais vous laisser parce que je vois qu'il y a une grimpette qui arrive. Donc, je vais en chier un petit peu. Et de ce temps-là, je peux vous dire que j'ai même en chier beaucoup. Mais bon. On est un aventurier ou pas. Indiana Dadoun avant tout. Allez, à plus tard. Bon, salut les potes et les copains, les copines. Donc toujours dans ma forêt, faire ma petite randonnée tranquille. Hein. Bon, tout à l'heure, j'ai vu pas mal de merde qui avait été déposé là par des gens très propres et surtout très intelligents. Mais en fait, j'ai compris d'où vient le problème. Donc cette randonnée m'a fait revenir jusque sur la N2
pour après me refaire reprendre à angle droit mon chemin qui retourne vers la GR. Et en fait, bah évidemment, je suis arrivé sur une grande place où les routiers se garent. J'ai pissé, chié, donc un vrai bonheur pour les narines. Et des bordels de la merde partout, quoi, en fait. Hein, des dépôts sauvages à droite, à gauche. Et je me suis aperçu que les accès de cette magnifique forêt ne sont pas fermés. C'est-à-dire que n'importe quel blaireau, et je prononce bien mon mot blaireau, tant pis pour l'animal, on peut rentrer là-dedans avec sa voiture, en fait, et déposer sa merde où bon lui semble. À un moment donné, j'ai vu un énorme paquet de journaux, totalement allé voir qu'il a dû balancer ça là, à côté, bah, dans la forêt, quoi. Hein. Et voilà ce que vous voyez dans la forêt, en fait, des pins partout. Et là, je me dis, si un autre blaireau qui se pointe, qui fout le feu au paquet de journaux, quand vous voyez tous les pins qu'il y a ici, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour imaginer ce qui va arriver. Alors là, je me demande pourquoi l'ONF et pourquoi la région de Vaumois, Thillet, tout ça, n'ont pas condamné les accès de cette forêt. Par des barrières, comme on en voit partout, hein, Fontainebleau, Rambouillet, une bonne barrière en bois, ça règle le problème, c'est vite fait, ça coûte pas très cher, et ça empêche les abrutis de rentrer là-dedans avec leur véhicule. Ce qu'on appelle des accès autorisés, quoi. Voilà. Donc encore une mission qui va être bonne pour Indiana Jones, parce que je vais essayer de choper un haut fonctionnaire qui s'occupe de cette forêt pour lui poser cette question et lui demander ce qu'il a l'intention de faire. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va arriver que ça va cramer ici. C'est clair, avec les abrutis qu'il y a. Allez, tout ça, c'est une forêt de pins, les gars. Enfin, les gars et les filles, pardon. Vous voyez, les amis, tout ça, c'est du pain. Imaginez qu'il y a un con qui craque une allumette là-dedans. Je vous raconte même pas le travail. Puis là, pour les pompiers, pour éteindre ça, accrochez-vous. Là, c'est mort, hein, vaut mieux laisser brûler. C'est de la folie, quoi. Et là, ouais, c'est sur un chemin qui amène à la N2 qui se trouve là-bas. Et là-bas, il n'y a pas de barrière. C'est-à-dire que n'importe quel crétin peut rentrer là-dedans avec sa voiture. Il n'y a pas de panneau interdisant les véhicules d'entrée, il n'y a rien. Rien du tout. C'est la première fois que je vois ça, moi. Pourtant, j'en ai bouffé de la forêt. Hein. J'en ai bouffé de la forêt. Hein. C'est la première fois que je vois une forêt d'Amaya qui n'est pas protégée. Moi. Où les accès ne sont pas condamnés. C'est n'importe quoi. Donc voilà pourquoi il y a des dépôts sauvages partout dans cette forêt, en fait. C'est, regardez, là, je suis un gros crasseux, moi. Je suis avec ma bagnole jusque-là. Je balance ma merde, voilà, je suis tranquille. Personne ne me voit. Et voilà, je fais demi-tour et je me casse. Et personne n'a rien vu, bien. Regardez. Je mens pas, hein. Voilà. Hein. Voilà, je mens pas. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des crasseux, voilà, là le résultat de pas condamner la forêt. Voilà, il y a un connard qui est venu là qui a balancé sa merde. Bah maintenant, qui va ramasser ça? L'ONF, non, elle s'en bat les couilles. La région, non plus. Bah voilà le résultat, quoi. Et après, on va dire, les belles forêts d'Île-de-France, ou de l'Oise, ou de... C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Bon, bah, je vais essayer de me calmer, parce que ça me fout les nerfs en pote, c'est quand même... Parce que là, cette merde-là, il a quoi? Ouais, ça fait quoi, 10 minutes que je marche? 5-10 minutes de l'entrée de la N2. À pied. Donc en bagnole, ça prend 2 minutes. 2 minutes, on rentre, on vire sa merde, et puis voilà. Dommage. Oh là là, ben Dieu. Que faire pour rendre les gens moins cons? Faut les exterminer. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vais continuer ma promenade en essayant d'arrêter de voir des tas de merde comme ça parce que ça me fout les nerfs en pelote, moi. Bon, allez, à bientôt. Bon, salut les copains et les copines. Bon, je vais me faire ma postée, là, dans cette magnifique forêt, parce qu'elle est vraiment superbe. Hein. Bon, là, avec ma caméra, vous voyez pas bien parce qu'en fait, elle filme vachement clair. Mais c'est beaucoup plus sombre. Ça vous file une ambiance, les gars. Oh, je suis en train de surkiffer, moi, en fait. Une ambiance, mais... Oh, c'est super. Elle est magnifique, cette forêt. Des arbres partout. J'aurais adoré pouvoir manger là, à midi.
Malheureusement, j'ai l'impression qu'à midi, je vais être loin d'être dans la forêt. Donc, je sais même pas si je peux utiliser mon hamac. Parce que comme j'ai un problème de rétro, je peux pas voir en satellite. Alors, j'ai une amie qui vient de m'envoyer une vidéo. Donc, je peux pas lui répondre tout de suite parce que, bah voilà, tout simplement, je suis en plein milieu de la forêt, donc mon réseau est pas terrible. Donc, si vous m'envoyez des messages ou des vidéos et que je vous réponds pas tout de suite, le prenez pas mal, les gars, c'est juste que je peux pas vous répondre. Hein, y a pas de réseau, je galère un peu. Des fois, même pour le GPS, hein, j'ai même pas le plan qui s'affiche. Donc, je sais que je suis toujours sur le bon chemin parce que mon point bleu est sur le trait rouge en fait. Mais je vois pas le plan. Donc là, je suis en connexion 3G et j'ai un téléphone Free, donc la 3G chez Free, c'est pas ça. Hein. C'est pas génial. Donc bah voilà, donc quand vous m'envoyez des messages, si je vous réponds pas tout de suite, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Ou bien j'ai pas de réseau, ou des fois j'ai du réseau 3G, mais j'ai pas le réseau Free. Et comme tout le monde le sait, chez Free, quand on n'a pas de réseau, on n'a pas de réseau. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est mort. Donc voilà. Donc là, je repars en direction de Feigneux. Enfin, Crépy-en-Valois a fait mieux. Et j'essaierai d'après de trouver un peu de réseau pour voir la vidéo de mon ami. Voilà. Donc je voulais juste vous dire que si vous m'envoyez des messages, qu'est-ce qu'elle est belle cette forêt, mon Dieu. Oh les mecs, oh là là. Je peux même pas vous décrire ce que je ressens. Enfin bon, bref. Et si je vous réponds pas tout de suite, c'est que je peux pas, les gars. Je suis en pleine forêt, j'ai pas de réseau. Donc, à moins que j'ai un téléphone satellite, je peux pas quoi. Et comme je n'achèterai pas ça parce que ça coûte la peau des rouleaux. Alors vous voyez, c'est quand même une forêt plantée par l'homme, hein, comme vous voyez sur la vidéo là. Les arbres sont vachement alignés. Donc c'est une forêt qui a été coupée, replantée. Et là, un peu moins par contre, j'ai l'impression qu'elle est plus. Ce côté-là est plus naturel en fait. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, je vous jure, les gars, elle est magnifique. Il y a une ambiance dans cette forêt là, dans cette partie de forêt. J'adore. Alors je vais venir faire mon bivouac bon mois d'août. Donc j'ai des amis qui veulent venir. Mais si par la suite il y en a qui veulent venir, qui veulent pas trop marcher, on peut se garer pas loin d'ici et venir faire un petit bivouac dans cette forêt là, qui est super belle. De toute façon, il faudra que je vienne bivouaquer ici, moi ça me plaît ici. Ah, j'ai un ressenti dans cette forêt, c'est un truc de fou quoi. Ah, j'ai l'impression qu'elle me parle, dis donc. Elle est vraiment superbe. Bon, sur ce, les petits loups, je vous laisse. Parce qu'il faut quand même que j'avance un peu. Comme je vous l'ai dit, ma randonnée fait 7 heures. Si je traîne de trop, elle va faire 24 heures. Je vais rentrer demain matin. Donc, voilà. Comme ils annoncent du mauvais temps dans la soirée, je voudrais bien être près de la bagnole quand ça va arriver, quoi. Donc voilà, bon, je vous fais une grosse bise à tous et puis je vous dis à bientôt. Il est pas pépère le chat. À moi ça. Il s'en fait pas lui. Hein. Le chat pépère. Bon, salut à tous. Bon, j'ai passé point 7 depuis un moment là. Et je suis en train de chercher un endroit où accrocher mon hamac. Et là apparemment j'ai vu un panneau, attention jaune piégé. Je sais pas ce que ça veut dire, ils commencent à me faire flipper les mecs là. S'ils commencent à piéger les coins, on est bien. Je vais pas foutre les pieds dans un piège à vous, ça me fait chier. Bon bah j'essaye de trouver un petit coin où me poser, accrocher mon hamac, mais c'est une galère sans fin ici. Hein. Là, la gueule de la forêt, quoi. Plein de ronces, d'orties, de saloperies. Un peu la chienlit ici. Là-haut, plus loin, ça a l'air d'être un peu plus dégagé. Déjà. Je vais essayer d'attendre là-bas, voir ce que ça donne. Puis me poser une heure, là, parce que j'en peux plus. Moi. Là, je marche en pleine canyon, j'en peux plus. Moi. Enfin, je me pose à un moment donné. Bon, sur ce, les petits loups, je vous dis à plus tard. Voilà. Donc voilà les amis. Voilà les amis. J'ai mangé là-dedans, là, en pente, là. Alors ça, c'est l'avantage du hamac. C'est que même si vous arrêtez dans un terrain en pente, vous l'installez, vous restez horizontal. Donc c'est bien pratique. Parce que là, le terrain est un peu pentu.
Du coup, je me suis accroché entre des arbres et puis moi je suis assez horizontal, quoi, c'était pas mal. Donc voilà, bah, après 45 minutes de repos, je repars. Et j'ai quand même encore pas mal de route à faire. Bon, bah ça m'a fait du bien, hein, ça repose. Hein. Je fais quand même lourd encore. Le vent se lève un petit peu. Voilà. Bon, bah. On va enquiller, on va recommencer à reprendre un peu de jambes parce que là forcément j'ai les cuisses au froid, donc c'est un petit peu mal à activer. Donc je vais reprendre ça et puis on va accélérer le pas, quoi. Voilà, voilà. Bon, à bientôt. Salut. Ça que j'aime bien un rando, c'est que des fois ça change de paysage, voilà. Je sors d'une forêt marécageuse et j'arrive où dans une prairie. Quand je vous dis une prairie, c'est une prairie, hein, tu connais pas. Hein. Voilà. Là, il y a des bois. Là-bas, il y a encore la forêt. Puis la forêt tout autour, puis là, au milieu, vous avez une prairie. Vous demandez ce qu'elle fout là, mais elle est là, quoi. C'est marrant. Bon, c'est moins drôle quand on arrive là en plein soleil, parce que là, soudainement, on sent que le soleil fait chaud. Mais il y a un petit peu de vent, là, puisqu'on est en pleine. Là, c'est marrant de trouver une prairie comme ça au milieu de la forêt, quoi, rigolo. Ça que j'aime bien dans la randonnée, c'est qu'on trouve toujours des trucs super sympas, qui est un petit peu étonnant, et il y a des petites fleurs jolies, je sais même pas ce que c'est. Là, il y a un espèce de gros machin, gros bulbe, là, je sais pas ce que c'est non plus. Bon, là, il y a du panais, ça c'est moins cool. Évidemment, un terrain comme ça, c'est l'ami des amitiques. Hein. C'est l'ami des tiques. Donc, si vous traversez ça avec un chien ou quoi le soir, faites une bonne inspection. Même vous d'ailleurs. Et hop, nous revoilà dans la forêt. C'est marrant ça, une petite clairière comme ça au plein milieu des bois. Là. Rigolo. Il n'y a pas un arbre, il n'y a rien. C'est marrant. Bon, bah allez. Je vais continuer ma balade dans la forêt. Parce que normalement, je dois attendre une route pour me ramener sur un village, Bémont ou Brémont, je sais plus. Ah, bah il y a encore une clairière là-bas, tiens. Un petit bout de gazon comme ça là, plein milieu de la forêt. Rigolo. Ah c'est sympa, j'aime bien moi. Petit coup de forêt, un petit coup de prairie. C'est sympa. Ça change un peu. Le problème c'est que la prairie elle est en plein soleil. Et je préfère la forêt qu'à l'ombre. Parce que mine de rien, aujourd'hui, il fait très chaud, les gars. Il fait vraiment très chaud. Enfin, les gars et les filles, pardon. Et donc, quand j'arrive dans le soleil, j'en prends plein la tronche. La tronche est là. Pour vous dire que il fait chaud dans mon casse-croûte, j'avais mis une tranche de fromage de hamburger, là, de croque-monsieur, bah, il a fondu dedans, en fait. Pour vous dire qu'il fait chaud, quoi. Et pourtant enfermé dans les papiers alus. Impression d'entendre de l'eau. Moi. Bon bah je vais vous laisser, puis si vous voyez quelque chose de plus joli, bah je vous filme. A plus. Ah les copains. Faut me taper un faux plat depuis tout à l'heure là. Il fait une cagne à crever. Ah, je vais claquer, moi, je vous jure. Ah, c'est record. Voilà pas le chemin que je dois prendre, là. Voilà. Je sais même pas où je vais. Il va pas y avoir beaucoup de passages ici, hein, je vous le dis, moi. C'est une chaleur de fou. Je transpire comme une vache. Je suis éclaté. Là, j'ai encore tapé 400 mètres sur un bout de goudron, là. Ah, là, là. Le soleil m'achève. Toujours.
fait super chaud là, ça fait du bien, surtout en forêt. Là il y a un peu d'ombre. Tout à l'heure ouais, j'étais là-bas là, sur la route là. Donc en fait le chemin il longe la route jusqu'à Brémont, quoi, jusqu'à Bémont. Mais alors, j'en chie. Ça monte, j'ai chaud. Je vais pas tarder à faire ma postée de l'après-midi. Je vais remettre une bonne longée de liquide dans le son. Hein. Allez, bon, c'est dur. Hein. Et je suis pas arrivé encore, les gars. Je fais encore moins 2 ou 3 heures de marche. Là. Enfin, c'est ça la rando. Faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Mais là, j'aimerais bien que ça arrête de monter un peu parce que je fatigue, ça a l'air. Hein. Bon, du coup, je vous laisse parce que ça monte et j'ai besoin de mes deux bras, moi. Salut! Bon, salut les amis. Alors, meuf de l'église de Bémont, avec son petit cimetière à coller. En fait, c'est le cimetière qui est autour de l'église, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. J'espère pouvoir trouver dans ce petit cimetière un petit peu d'eau. Parce que j'aurais grand besoin de me rafraîchir, moi, les gars. J'ai fait une chaleur, mais... une horrible. Ah ouais, d'accord. Voilà. La petite église avec le cimetière autour. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Oh. Ah, attendez. Merde. Oh. Ah, ça va pas être ouvert tous les jours, ça. Je cherche un point d'eau, mais j'ai bien peur qu'il n'y en ait pas. Merde, après ça me fait chier. J'espérais trouver de l'eau, comme souvent dans les cimetières, mais là... Ah, petit cimetière à coup d'œil à l'église. Et malheureusement, il n'y a pas d'eau. Ah merde. Ah, c'est chaud ça. Bon bah. Je pensais que je pourrais me rafraîchir un peu ici, mais malheureusement, je vois pas de robinet d'eau. Donc bah, je vais dans l'os. Et je vais regarder par là, voir s'il n'y a pas un peu d'eau. Mais je crois bien qu'il n'y en a pas. Ah non, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'eau du tout. Belle petite église. Et malheureusement, cimetière sans eau. Je suis dans la galère. Une jolie vue par là. Très très jolie vue par ici. Vraiment très jolie. Ça s'arrête là. Bon bah tant pis hein. On va remonter et puis essayer de trouver de l'eau ailleurs. Ça a commencé à bien compliquer les mecs. Alors j'ai toujours de l'eau pour boire, mais là je suis en montant en température, j'aurais besoin de me rafraîchir un peu. Et dans ce petit cimetière là, y a pas d'eau. Tant pis. Tant il y a des fleurs, je sais pas comment font les gens pour arroser l'eau, mais il n'y a pas d'eau. Je vois pas de robinet. Ça m'ennuie ça. Ça m'ennuie parce que je crève de chaud les gars moi.
je sais pas, là je vois des portes, mais je sais pas si là c'est pour entrer dans l'église, je vais pas rentrer dans l'église quand même. Bon bah tant pis, plus qu'à crever de soif. Ça c'est la chion lisse, hein. Y'a pas d'eau, bordel. Bon bah, je vais essayer de trouver de l'eau ailleurs. À moins qu'il y ait un autre cimetière quelque part, on sait rien. Bon allez, salut. Bon, je suis toujours à Brémont. À Bémont, pardon. Là, je sors du cimetière qui est là-bas, là. Je pensais trouver de l'eau, bon bah malheureusement pas d'eau. Donc pas de rafraîchissement, donc du coup je vais me caler un peu sous le marronnier là. Et puis boire mon thé vert, parce que j'en peux plus. Faut que je boive un coup, je vais crever. Allez, c'est parti. On va se caler là, on va être bien là. Bon les petits ou, je vous laisse 2 secondes, je vais boire mon thé vert. Salut. Bon ouais les amis, alors là je redescends vers un vallon et puis je me dirige après vers le point 10 là. Et ensuite vers le Maroc, je sais pas ce que c'est exactement, on verra. En fait c'est une bâtisse avec plein d'étangs autour, donc je vais filmer ça aussi au passage. Donc voilà, bah là je redescends un petit peu dans le vallon et puis je file au point 10 où je crois qu'il doit y avoir une ancienne abbaye, un truc comme ça. On va regarder ça. Bon bah j'ai fait une pause sous un marronnier pour remonter. J'ai chaud, très chaud. Là encore une fois je suis encore en plein soleil, donc j'en prends encore plein la tête. C'est dur de marcher au soleil quand il fait chaud comme ça. Mais bon, c'est pas grave, faut y aller. Donc voilà, hein, je vous montre un petit peu le paysage aux alentours. Excusez-moi si ça se coupe, mais comme ça descend, hein, je fais ce que je peux. Il fait ce qu'il peut le gars. Tout à l'heure il y avait un groupe d'amis là, qui était en train de boire l'apéro dans le jardin, je vois bête à l'air monde. Mais bon, il m'aurait foutu dehors. 4 fois de là avec le dos. Ah voilà, oh bah c'est joli ça. Petit chemin tranquille. Donc là maintenant la rando devrait être un peu peinard, ça va remonter un petit peu à un moment donné, mais qu'il faut plat encore. Là je vais au point 10, après j'ai le point 11 au Maroc là. Et ensuite bah retour à la voiture. Donc bah voilà, bah, je vous reprendrai plus tard quand il y aura quelque chose d'un peu plus intéressant à voir. Parce que le but c'est de vous filmer, c'est quand même de vous montrer des trucs intéressants. C'est pas de vous montrer des chemins, je raconte ma vie. Donc voilà. Bon, je vous fais une bise, à plus. Salut à tous, les amis. J'arrive au maudit le Maroc. Pourquoi ? Voilà pourquoi. En fait, il y a plein de petits étangs. Voilà. Donc je suppose que ça des étangs réservés à des pêcheurs, ça. Je vois qu'il y en a un qui pêche. Et voilà quoi. Attendez, je passe de l'autre côté. Il y a plein d'étangs. C'est tout plein de petits bassins comme ça. Les petits cabanons, c'est tout pour les pêcheurs, je pense. Voilà. Donc il y a des petites tables, des petites chaises. Alors je sais pas si tout le monde peut y aller, hein, j'en sais rien. Vous voyez, on est encore en face. Alors je sais pas si c'est privé, si tout le monde peut y aller, j'en sais rien du tout. Alors, apparemment il n'y a rien qui vous interdit d'y venir. Je sais pas s'il y avait un petit truc qui pouvait vendre quelque chose de frais, ça m'arrangerait bien aussi. Mais... Donc voilà, le hameau, le Maroc, ça s'appelle.
Il y en a qui ont fait construire des petites maisons. Il y en a qui font des petits chalets en bois. Ah, c'est sympa. Donc voilà quoi. Là-bas c'est pareil, vous avez encore un étang. Je sais pas si vous voyez bien. De toute façon on va passer dessus donc. Bon. Ah ouais, c'est des tempêches quoi. Ah, c'est sympa quoi. Bon, je vous laisse, à plus. Salut tout le monde. Donc, je viens de quitter le hameau le Maroc que je vous ai filmé il y a 2 minutes. Hein. Et donc là, j'attaque le chemin. La dernière ligne droite qui me ramène sur la route de Vaumoise. Donc la dernière ligne droite pour revenir à ma bagnole quoi. Bon, normalement, je devrais monter encore un petit peu. Puis après, arriver sur la route pour en direction de Vaumoise, traverser Vaumoise et arriver à ma voiture. Donc voilà, je vous fais un petit plan forêt, hein. Sympa. Petit plan chemin, petit plan forêt, petit plan chemin, et hop, des champs, ouais. Bon, il fait toujours aussi chaud, hein. J'ai les jambes qui commencent à me lâcher, mais bon, un 3 bandes, ça fait beaucoup, hein. Pour mes petites gambettes. À un moment donné, surtout que j'ai un peu lâché les bandes, j'en ai déjà fait 10 km avec mon ami Lolo, et puis j'avais fait 13 bornes avant, 10 bornes avec elle, et j'ai marché encore 2 heures dans les bois dimanche, là on est mardi j'ai fait mon jardin. Oh, il commence à fatiguer vieux quand même, hein. Commence à fatiguer. Bon, celle-là il fallait que je la fasse parce que ils ont du mauvais temps la soirée. Et pendant 2-3 jours après, elle avait fait un temps de merde. Donc, de la flotte et tout. Je pensais faire une rando avec mon ami Lolo dimanche, mais dimanche il est en temps pourri. Donc c'est cuit. Donc je verrai ça plus tard. Donc le week-end d'après, si elle est libre évidemment. Ah, il fait chaud, hein. Bah, tout à l'heure il y avait un petit bar, je voulais m'arrêter pour un perrier menthe, mais ça avait l'air d'être à moitié humanouche maintenant. Du coup je me suis barré. Et je voulais boire quelque chose de frais là, parce que j'ai mon eau, elle est chaude moi. Mais bon, c'est pas grave. Je vais rejoindre la voiture, je vais aller chez la frangine, elle va me servir un bon café et un litre de flotte bien fraîche. Et mec, on fait péter les pétards ici dans les bois là. On est content les animaux. Bon, sur ce, mes petits loups, je vais vous reprendre plus tard. Parce que là, ça commence à monter, pas fort, mais c'est un petit faux plat, mais ça me tire. Il faudra que j'utilise mes 2 petits bras. Je suis en eau, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il fait chaud. Et encore, là, ça va, je suis à l'ombre des arbres. Donc ça va encore. Mais... D'ailleurs, j'étais encore en plein soleil sur la route. Là. Oh là 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 là. Quelle chaleur. Mais quelle chaleur! Bon, ouais. Sur ce, je vous laisse, ces petits loups. A plus! Bon, la mairie de Vaumoise, les petits loups,
Et ma bagnole, elle est là-bas à peu près là où il y a les barrières. Donc, comme vous pouvez voir sur ma tronche de fatigué, ça fait 2 km que je marche en pleine cagnotte, ça m'a complètement lessivé. Je suis mort. Donc, bon, c'était une bonne randonnée, à part cette partie-là sur la route, et puis... oui, sur la route, hein. Une grande partie sur la route C1, qui se trouve être une partie de route roulante dans la campagne. Pareil, hein, des bagnoles à tout va, la misère quoi. En plein soleil, pareil, des voitures partout. Et puis, malheureusement, les bas-côtés pas tendus, donc pour marcher, c'est merde. Donc, ouais, là, il a fait chaud aujourd'hui. Hein. Donc, une randonnée à faire quand il fera plus frais. Parce que là, faut quand même pas déconner, j'étais un peu encore abruti encore moi. Bon, ça s'est bien passé. Hein. J'ai pas eu de fédipo, rien. Là, je vais manger ma barre protéinée, c'est plus pour réconfort. Quoi. Alors en fait, là, je suis calciné, hein, je vous le dis. J'ai plus de jambes. La chaleur, mais elle m'abat. La chaleur m'abat. D'ailleurs, ça se voit sur ma tronche. Hein. Je suis vraiment lessivé. Donc une bonne randonnée, hein. 7 heures de marche, 9 heures de rando, 23 km. Dur. Dur dans le long terme, on va dire, parce que la randonnée même n'est pas trop fatigante. Il n'y a pas trop de montée. C'est pas Fontainebleau, quoi. C'est plutôt plat même. Il y a quelques faux plats qui vous arrachent un peu les poumons, mais sans plus. Et du coup, c'est pas fatigant du tout. Par contre, la chaleur, voilà, c'est suffocant, c'est épuisant. Donc voilà, là ma voiture, la Dadoune mobile les gars, et des filles pardon, le point d'arrêt. Il n'y a pas grand monde sur le parking, on est bien là. Il y a plein de gens sur les trottoirs mais personne dans le parking, c'est intelligent, mais enfin c'est pas grave, on s'en fout, hein. On n'est pas là pour critiquer les autres. Bon voilà. Encore 23 km au compteur. Encore une bonne randonnée qui m'a bien arraché. Je suis bien fatigué, bien épuisé. Mais ça fait du bien, surtout qu'il va pleuvoir ces prochains jours. Et donc voilà. Bon bah sur ce, cette rando est finie. Je vous souhaite d'en faire des belles aussi. Et terminé, on coupe.